Non. Voilà, re tout le monde. Re tout le monde. La vidéo elle se sera ouverte sur un non. Non. Salut tout le monde, c'est Titix. Attends, pourquoi il s'est lancé Windows machin là? Attends, je vais pas filmer. Carnaval Sphere 7. Ah oui, c'est vrai, c'est ça mon coup de boxe. Je suis trop nul. Carnaval Sphere 7. Rien ne va dans ce pseudo, mais rien du tout. Déjà, le 7, ok, sphère à la limite, mais carnaval. Qui dans son pseudo a le mot carnaval? Mais attends, mais tu t'appelles aussi Carnaval Sphere 7 sur ton PC? Non, mais c'est parce que c'est à cause du compte Xbox qui s'appelle comme ça. Ah. Et donc c'est lié à mon compte Microsoft, et donc je m'appelle Carnaval Sphere 7 à chaque fois que je joue à la Xbox. Est-ce que c'est mieux que Dark GTA 77 ou pas? Franchement, oui. Carnaval Sphere 7, c'est le meilleur pseudo au monde. Et salut tout le monde, c'est Carnaval Sphere 7. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit let's play sur NBA 2K17. Salut tout le monde, maintenant je vais me renommer Carnaval Sphere 7. Ce sera mon nouveau nom. Enlève Monsieur Judor de Twitter, ouais, mais Carnaval Sphere 7. Et Carnaval Sphere 7. Carnaval Sphere. Mais ça veut dire quoi Carnaval Sphere déjà? C'est-à-dire la sphère du carnaval? Bah oui. Je vois pas d'autres. Mais pourquoi je m'étais appelé comme ça sur la Xbox si je me rappelle plus? Mais non, mais tu t'es pas appelé comme ça, c'est les pseudos aléatoires. Ah mais tu connais pas ça, les pseudos aléatoires? Dans plein de trucs. Moi aussi, au bout d'un moment, j'avais joué à Sonic Dash sur téléphone et j'avais voulu me connecter à internet. Et je voulais choisir mon pseudo, mais ça buguait, du coup j'ai fait générer un aléatoirement. Et j'ai eu une pépée de rouge avec marqué machin truc Queen, bizarre. Et je venais aussi de l'Australie, genre le truc m'avait tout choisi, je crois. Ou alors c'est moi qui avais fait une connerie par rapport au pays, mais voilà. J'étais machin truc Queen avec une pépée de rouge et j'habitais en Australie. Voilà. C'est toujours mieux que Carnaval Sphere 7. Et en plus, vu que je joue en Islande, va voir les serveurs comment ça devait laguer. Tu sais, ils devaient essayer de trouver peut-être des serveurs australiens. J'étais en Islande. Ça veut rien dire. Enfin, je sais pas si ça dépend de ça aussi, mais. Les Australiens, ils s'appellent Nocti. Non, je m'appelle machin truc Queen. Putain, je m'en rappelle pas de l'entièreté du pseudo. Parce que c'est tellement mindfuck ces pseudos en même temps. Je peux pas t'en souvenir. Ils sont quand même bien drôles, je trouve. Ces petits pseudos. Voilà. Quoi? T'as lag ou coup? Non, j'ai pas lag du coup. Et c'est parti pour le boss. Vas-y, prends-le, le tir à 3 points, vas-y. Donne-moi tes briques. Donne-moi tes briques. Tes briques. Je contre-attaque en solo. Y a un joueur qui a dit ça? Oh non. Ah. Putain, ils sont vraiment trop forts. En vrai, je sais pas jouer en délicatesse, je sais que jouer en mode gros bourrin. Dès que j'ai des un minimum compliqué, je galère en taquet. Ah bon? Ouais. Ah mais en fait t'es plus du tout stratégique dans ce jeu. Bah ouais, du coup finalement. En fait j'essaie d'être stratégique mais j'arrive. Tu fais n'importe quoi ou tu fais pas n'importe quoi? Non, je fais pas n'importe quoi, mais genre quand j'arrive pas à bien utiliser les tactiques parce que chaque fois les ordi se bloquent dans les écrans, je perds du temps et du coup je sais pas quoi faire. T'as des joueurs en PLS au bout du terrain? Oh, Star Wars Speedway! En fait c'est classe aussi un jeu. Ils sont pas au bout du terrain, ils sont enfin ils sont sur le terrain mais ils sont coincés entre 3 joueurs, ils arrivent pas à bouger donc. Ah. Il y a faute monsieur l'arbitre. Mais what? Pourquoi il fait que des tirs en transition à 3 points? What? Il l'a mis. Les rapports de force ne sont pas respectés dans ce jeu, je ne connais même pas ce mec. Mais tu peux pas personnaliser ta propre équipe dedans?
Bah si, Bah voilà, mais bah je vais c'est pas bon. modifier chaque joueur de la ligue quand même. Mais J'ai pas parce tout. que, pourquoi tu mets pas les meilleurs joueurs? Quoi? T'as pas mis les meilleurs joueurs? T'as pas mis Bah non. Westbrook? Je vais pas mettre les meilleurs joueurs quand même, je vais pas me rabaisser à ça. Mais non, mais tu t'en es mis aucun. Il y a toujours Aku plus loin Ryu dans ton équipe? Ce joueur d'exception. Ou pas? Quoi? Il y a toujours Aku Ryu dans ton équipe ou pas? Non, Ah mais ça bon? c'est dans le mode de ma carrière. Je joue au mode VM. Ah, tu peux pas l'utiliser. Ah, je suis déçu. Bah je peux le recréer mais voilà, je préfère. C'est un peu. Ce sera un peu nul quand même. Je veux dire quoi déjà? Oh les grands 5. Dans tout cas, 18, t'as pas la possibilité de créer ton perso ou quoi? C'est ça De le truc. quoi? Dans tout cas, 18, t'as pas la possibilité de créer ton perso, c'est ça? Ça bug à chaque fois que tu vas dire t'as pas la possibilité. À chaque fois que tu vas dire ce nom, je n'ai pas la possibilité. Dans tout cas, 18, tu n'as pas la possibilité de créer ton joueur. C'est ça ou pas? Bah. Si, mais l'histoire de ma carrière n'est pas très intéressant. Hein. Mais je pensais que le personnage s'appelait obligatoirement DJ, qu'il était DJ. Ouais, tu peux créer son apparence quand même. Tu peux créer son apparence, ses compétences et tout, mais il s'appellera toujours DJ. Ah ok. Yo les gars, moi c'est DJ. Boum boum boum. DJ. Super bon ça. Et je suis devenu DJ. C'est drôle ça. Genre sa carrière a été définie par rapport à son prénom. Et à un moment dans sa vie, il a fait j'en ai marre, moi tout ce que j'ai voulu être, c'était un joueur de basket. Et c'est là que NBA 2K18 commence. J'avoue, c'est tellement ça. 2K18, c'est avant tout un jeu qui te permet de te rebeller contre la société. Qui te permet de t'exprimer à travers le meilleur sport qui soit, le basketball. Moi j'ai fait de la grosse merde. Mais attends, j'ai une question, alors que dans tout cas 17, tu pouvais choisir le nom de ton perso ou pas? Bah oui, mais oui, tu peux choisir le nom de ton perso. Enfin après, peut-être que tu peux choisir le nom de ton perso dans Rookie Divide, je suis pas sûr, mais. En tout cas, ils sont sûrs. Tout le monde va l'appeler DJ, ça c'est sûr. Tout le monde Pourquoi? l'appelle DJ, sinon c'est trop chaud de reformuler les noms à chaque fois. Bon, là je suis de la merde. Ouh, Karis. La deuxième phase Mais non! elle est pas du tout On compliquée, mais dirait que vraiment c'est ta la merde. dernière elle est beaucoup plus chaude. En plus là je joue avec Mighty, il va falloir que je joue avec Tails. Parce qu'en fait en jouant avec Mighty, je ne prends pas les pics, ou très peu. Et du coup, Mighty quand il touche des pics, des fois il est repoussé vers l'arrière, au lieu d'être repoussé enfin, vers la gauche, il est repoussé vers la droite. Et vu que Oui, tactique. le... Qui moi? Comment je joue tactique? Ah non, attends, je parlais pas de manger, je suis encore là. Voilà, vous voyez, bam, il a été repoussé par l'arrière. Parce que, il s'en fout des pics. En plus, Tails est cheaté parce qu'il peut voler par-dessus. Tails, il fait partie. Avec Ray, ce sont les persos les plus. Les persos idéaux pour faire ce boss. Alors, vraiment, ce boss est compliqué avec d'autres persos, je trouve. En tout cas, avec Mighty, c'est une horreur. Parce que du coup, voilà. Il se prend pas les pics, il est repoussé par la gauche, c'est vide. Du coup, il est niqué. Voilà. Du coup, Mighty est un bon perso, mais pour ce boss, moi j'ai trouvé compliqué. J'ai trouvé un peu ça compliqué. Je sais pas si c'est français, mais c'est pas grave. Je pense que vous avez compris à peu près. Un peu compliqué, voilà. Et du coup, on est parti pour la zone. Je sais même plus laquelle c'est maintenant. C'est. Non, c'est pas Mirage Saloon. Ah, c'est Hydro City. Hydro City, mec, je crois que c'est une des seules zones aquatiques dans un jeu vidéo que j'aime bien. Sinon je trouve infâme les zones aquatiques. Enfin celle-là elle est infâme des fois. Puis j'ai Tails. Oh putain c'est le bonheur. Tu sais, j'ai cheaté comme c'est pas permis. Dans les zones aquatiques tu peux nager. C'est le meilleur perso pour cette zone. Une grosse bulle, merci. Par contre je peux aller là. Voilà, c'est cheaté. Oh putain mais... Non Comme mais ça, le je mec il peut pas pourrais faire un coup aller propre. hors de l'eau, ça c'est cool. J'ai pas mis la musique trop bas. Admirez cette belle musique. C'est une des meilleures musiques du jeu, clairement.
avec Press Garden et et quelle autre zone déjà, je sais pas. Quelle autre zone, putain de mise. C'est pas bien ça. Faire des speedway peut-être. Bouh. Hop, je suis foiré. Oh mais non, mais tu vas pas recommencer à chauffer toi. Oh il me saoule, bon si vous entendez pas, cool. Apparemment vous entendez pas. À en croire Aku et Bro, vous êtes pas censé entendre. Si jamais vous entendez, parce que si pour maintenant c'est plus fort, je sais pas. T'entends ou pas ou non? Toujours pas. Non, moi j'entends pas. Hein. Ok. Ouais, c'est, j'espère que... Non, parce que des fois en fait en vidéo j'entends. J'attends juste la boule. Okay. Et du coup, en fait je suis con parce que j'aurais pu... Puis en fait j'en avais pas besoin. Je suis bête, désolé. Parce que, en fait des fois en vidéo, tu sais, on l'entend en arrière-plan et il chauffe pas autant que ça, du coup. Ça me perturbe un peu. Mais après c'est peut-être le micro Discord qui détecte pas. Ou alors il y a le son du jeu par dessus. Bah non non, parce que Ruben il a dit t'inquiète j'entends rien. Ah. Normalement hein. J'espère juste que... Bah qu'en tout cas sur la rediffusion il y aura pas ça quoi. Bon non, ça devrait pas changer. Ah lâche-moi. Bon. Bah de toute façon à la fin de cette zone je le rééteindrai vite fait. On va dire. Hop. C'est bon. Ouf. Non Mighty va mourir. Rip. Rip Mighty. À jamais dans nos cœurs. Ok, hop. Hop. Je crois que c'est après Mirage Salon si je me trompe. Non peut-être pas. Ah je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est ça. Alors. Pourquoi il chauffe autant que ça en plus? On va voir. Et il m'arrive de l'utiliser bien plus que ça. Hein. Bon, tant pis. Ah, par contre, mec, j'espère que pendant la KCL, ça sera pas ça. Hein. Ouf. De toute façon, pendant la KCL, on va gueuler. Du coup, normalement, ce qu'on va faire. Donc là, non, il n'y a pas Eggman. Ah, c'est bon, Eggman. Oh yes, nouveau perso, ce sera Sonic. Je vais aller bloquer. Ok, hop. Je le rallume vite fait. Parce que moi, je vous avoue que ça me perturbe un peu. C'est un petit peu long. J'espère que l'eau elle a pas déjà commencé à monter. S'il faut, je suis mort là. Et je le sais pas encore. Ah bah oui. Ah, désolé. Putain, c'est juste pour éviter qu'il chauffe parce que sinon c'est vraiment chiant en fait. Je veux vraiment être sûr que vous entendiez pas quoi. Voilà, désolé. Désolé. En fait, j'aurais dû aller sur OBS direct pour pouvoir jouer par-dessus. Sur OBS, c'est un peu décalé, mais encore, j'aurais pu. Allez, il est temps de nager, go. Et peut-être c'est bien plus simple en plus. Bon, vu qu'il n'y a pas de vie, c'est pas grave, mais bon, j'ai perdu Mikey, c'est quand même un peu dommage. En fait, on a peut-être game over quand on a plus de perso pour le coup. Ça, c'est peut-être possible. Hop, on est parti. Ouf, allez. Putain, on est parti sur un boss pas compliqué. Donc, ça passe. Hop là, parfait. Voilà, c'est déjà terminé. Elle est vraiment trop cool cette musique. Bah dis donc, on t'entend plus, qu'est-ce qui se passe? Hein, Akuryu. Ah, il est parti! Il est parti! Il m'a même pas dit au revoir.
Je sais pas s'il a crash ou pas. Mais en tout cas, moi je me sens un peu vexé. Ok, go. Oh yes, est-ce que je vais réavoir Mighty? Oh, inutile! Je sais pas parler ou quoi? Inutile, pardon, de style. Putain, du coup, j'ai perdu Mighty à cause de mes bêtises et du vidéoprojecteur. Hop. Hop. Ok. Je passe par là. Je suis une sacrée bouse. Hein. Quand je veux, je suis une sacrée bouse. Et enfin, on est reparti à toute vitesse. Triste quand même qu'il pleut, quoi. On va un peu plus s'ennuyer, désolé. Hop. Passer de vitesse. Tac. Hop. Ok, t'es trop loin, du coup ça va servir rien du coup. Dommage, de toute façon. De toute façon, j'avais que deux persos, du coup c'est pas très utile. Putain, mais cette musique, putain, cette musique elle est incroyable. Cette musique pour moi elle est aussi incroyable que Escape. Moi le. Enfin, non. Mon Sonic 2D favori, je veux dire que c'est lui, mais. Comment dire. Je trouve que Sonic 3 il a les meilleures zones. Parce que celui-là il est bien mais il n'y a que 3 ou 4 zones qui sont nouvelles par incroyable. Je veux dire incroyable quoi. Oh merde, c'est chiant. Du coup, moi de mon point de vue c'est le meilleur Sonic 2D parce que je l'ai fait plein de fois et tout, qu'il y a 5 persos. Il y a plusieurs manières de le faire et tout, je trouve ça vraiment trop cool. Mais j'imagine que pour beaucoup. Il est sympa mais vu qu'il reprend d'autres trucs, il est pas aussi bien. Mais bon voilà, moi je suis pas né aux années 90 en même temps. Du coup il faut comprendre mon point de vue. Même si après ce que je dis c'est pas objectif. Je le sais. Enfin bon, si c'est objectif plutôt, pardon, excusez-moi. Je suis pas très à l'aise avec ces termes. Je les confonds souvent. Enfin bref, ce que je veux dire c'est que c'était que mon avis et que je comprends que beaucoup de gens sont pas d'accord. Du coup je sois encore trompé. Merci mec, en fait tu m'as aidé. Hop. Putain, j'étais pas un moonwalk sur nous. J'aurais peut-être pu avoir un autre perso, tant pis. Putain, y'a plus de spécial stage. Putain, j'ai le seum tout à l'heure quand je me suis foiré. C'était peut-être dans le stream en fait. Dans l'autre stream, pardon. Ah, on est parti pour le boss. Les musiques de boss aussi, elles sont trop bien. Ah. Putain, attention, on va se prendre un 3 points dans le joueur à 60. Ah, t'es de retour. Oui, j'ai crash. Ça fait plaisir. J'ai eu peur, moi. Dans le vidéoprojecteur, je vais pas faire face à lui. Ne t'énerve pas trop, après tu vas mal dormir. Est-ce qu'il y a Jérémy Lin ou pas dans ton équipe? Non. Et maintenant, et tu t'étonnes de perdre, c'est normal s'il n'y a pas Jérémy Lin. Oh mais non, mais tu vas pas recommencer à chauffer toi.
Bon, du coup, tu m'as dit que tu l'entends pas, t'es sûr? Oui. Bon, du coup, on va faire avec. Il va pas mettre en la partie. Hein. Il y a des problèmes, je crois, dans ce jeu. Mais, oh, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce jeu, quoi? Bon, je vais faire confiance. Oh putain, mince, j'ai pas réussi à le faire. C'est pas s'il est un peu chiant sur la dernière phase, un peu plus compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est long. Mais arrête de me lancer ça, s'il te plaît, je suis pas allé dans l'éditeur pour rien. Arrête de me lancer ça. Je me please, mais à quel moment, s'il te plaît? Faudrait jouer après à combien de... D'accord, bah ok, laissez-le passer. Hein. On est là pour s'amuser. C'est pas possible, il va me lancer jusqu'à la fin. Bon. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce jeu. Bon, là, c'est... Ah, merci le coup de grâce, messieurs. Mais... Si vous l'entendez pas, hein, franchement, j'espère. Ah, déjà que 20 minutes. Ah. J'ai vu que j'étais pas large du tout, mais en fait, si, je suis large. Bon. Alors. Mais quoi? Je serais cool. What? Ça lag. Ils font des trucs de poussin. Allez, on est parti. Salut. Sonic, viens voir. Ah, mais arrête! Qu'est-ce que tu fais, gros? Oh, Sonic! Sonic! Attends. Sonic, tu fais... Ouais, j'ai fait quoi, là? Ouf, j'ai fait quoi, là? J'ai un bug, Sonic. Mec, Sonic il bouge plus. Sonic il est omnibulé par la cage. Mec! Quoi? Mais wesh! Y'a un bug! Sonic bah, est bon, omnibulé fait. Par la cage. Hop, on éteint. Et hop, on rallume. Je sais pas si ça. L'incident. Oh putain, c'est pas vrai. À combien de personnes ça arrive ça? T'imagines ça arrive en speedrun, les mecs ils doivent rajouter. Mais... Je peux... Ok, bah carrément, bah je sais pas du tout ce qui se passe. Du coup bah je cutterai hein. Je vais devoir recommencer, c'est une blague quoi. C'est une grosse blague. 64 Sonic a refusé de bouger. Mais oui, c'est trop ça, mec. Je sais pas ce qui se passe. Putain, bah du coup, je dois refaire le stage. Bon, ça il faut que je coupe à la rediff par contre. Du coup, bah, désolé pour les gens qui sont sur le live. Excusez-moi. Enfin, sauf si il m'autorise à aller dans le truc d'après. Théoriquement, ce serait normal. On va essayer en jouant comme ça. Ah, yes, ok, c'est bon. Pas besoin de faire de cut du coup. Je suis direct. Mais what? C'est passé quoi, les gars? Et what the fuck? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis pas en avion? Ah, ça... ah, ok, ça va peut-être couper la cinématique. Oh merde! J'espère qu'il n'y a pas une cinématique cool. Parce que sinon, j'ai raté. Oh fuck! Ah, du coup, il n'y a pas de niveau en avion. Bah oui, parce que c'est un niveau en avion, je peux pas avoir deux persos, c'est bon. En plus, déjà que j'ai Tails. Ok. Ok. Ah là là, ça sera mon titre d'épisode. Erreur 404, Sonic a refusé de bouger. Merci à Po pour le titre, c'est cool. Mais expliquez-moi quoi. Expliquez-moi la logique de ce jeu, vas-y. Et le jeu a recommencé à chauffer comme c'est pas permis, génial. Bon, du coup, ça sert à rien, je suis obligé de le perso. Ah, c'est pour ça aussi que tout à l'heure ça n'a pas marché, c'est pas parce que Tails était loin, c'est juste parce que ça ne sert à rien. On va jouer avec Tails un peu, on va changer. Parce que bon, Sonic, des fois, il arrête de bouger, on sait pas pourquoi.
C'est la première fois que ça m'arrive, toi. Ils sont drôles quand même les bugs dans ce jeu. Enfin, si j'avais dû recommencer Hero City, j'aurais trouvé ça moins drôle, mais bon, vu que j'ai pas eu besoin. Mais quoi? Mais à quel moment? Ouf, ouf. Désolé pour ton live, hein. T'inquiète, moi ça me dérange pas. Oh, Alu! Apo, il vient d'envoyer. Oh, Alu! Je vais mieux, hein, parce que. Oh! Réponds-moi à Apo, le pauvre Vita, il te dit Oh, Alu! Oh, oh, Alu! Coucou, Apo! Voilà. C'est gentil. Du coup, il n'y a plus à coup. Parce qu'NBA 2K, ça le fait beaucoup rager. Et ce niveau, il est cool! Je sais pas d'où il sort, mais il est cool. Boum! Oh yes! Un spécial stage. Bon, cette fois, je vais me prendre ma revanche sur le spécial stage. Je vais y arriver coûte que coûte. Hop. Hop. Là, je me concentre, du coup, je vais plus parler. Je galère à cette spécial save. Je trouve un petit peu plus difficile que les autres, surtout que je suis pas habitué à les faire. Du coup, j'ai pas de technique comme je disais la dernière fois. Du coup, j'ai plus rien à faire de délai. Ah, j'ai chier. Hein. Putain, j'ai plus que 15 rings. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Putain, il y a toujours cet endroit où il y a plein de rings. J'y vais jamais, parce que je pense jamais. Ah. Go, go, go. Là, j'ai réussi. Allez, putain, go. Allez, même route. Ah, je suis en train de faire... Oui, je l'ai eu, putain. J'en aurais au moins eu une. Retenez ça, j'aurais au moins eu une émeraude du chaos dans cette run. J'aurais galéré. J'étais surpris la première fois que c'était pas le bon stage. Bon, en fait, je sais pas si elles sont forcément plus compliquées. Peut-être un petit peu aussi. Hein. Peut-être parce que aussi je suis pas méga bon. Maintenant j'y arrive aux autres parce que je suis habitué. Quoi. Quand t'as refait le jeu 6 ou 6 cette fois. Je déconne. Du coup, est-ce que il y a un passage en fait par là qu'on voit pas du tout? Non. Alors. Ah yes, merci. C'est-à-dire que. Sorry, merde, oh le con, là je ne sais pas jouer, alors. Ah, enfin. Ouf, je sais vraiment pas où jouer là. Non, je peux le faire. Yes. J'ai l'impression de jouer à un tout autre niveau. Je sais pas si c'est le cas, ou si c'est juste des endroits où je suis jamais allé. Mais en tout cas, attendez. Alors là, je vous avoue que je suis complètement paumé par contre. Vraiment, ça fait 3 minutes que. Quel niveau. Allez. J'ai pas réussi. Ok, yes, merci Thaïs. T'as réussi.
Ah ça bon, c'est bon signe ça. Ouais bon, faut que j'y arrive. C'est la seule condition requise. Alors. Je sais pas si je vais au bon endroit. Je suis vraiment perdu. Alors. Allez, j'essaie d'avancer, désolé. Ah mais mince, c'est français. Dégage toi. Ah. Où est-ce que je suis tombé? Je sais pas si je suis retourné en arrière ou pas. Ah génial, ça y est. Je sais pas du tout où je suis. Ça sert qu'à ça. Et maintenant c'est je joue qu'avec Sonic et Tails. Ça va bien changer quand même. Bon. Envoie-moi loin s'il te plaît. Merci. Waouh. Putain, ça fait longtemps qu'on a pas eu de la une vitesse pareille hein, depuis tout à l'heure. Je suis bloqué. Oh non, on va pas retourner là. S'il vous plaît. Ah. Oh what, c'était beau. C'était... J'ai trouvé ça beau. Je peux pas aller au special stage. Ah, peut-être qu'on devait y aller de l'autre côté. Bon, tant pis, hein. Mais j'ai l'impression que c'est un tout autre niveau. Et waouh, quoi. Waouh. Oh, Nuck. Oh, Apo. Désolé, je sais pas quand t'as envoyé ce message sur le chat. Oh, oh, Z. Ah. Je vais où? Mais genre, le boss, il est complètement différent. Enfin non, en fait on dirait ça c'est le boss de Knuckles mais dans un autre environnement. C'est très bizarre, mais j'ai l'impression vraiment de jouer à un autre niveau. Alors que c'est peut-être genre, ils mettent juste d'autres textures, mais vraiment j'ai l'impression de jouer à un autre niveau, c'est cool. Et j'ai fait deux games avec Knuckles, pourtant le niveau qu'on vient de faire... Oh non, ouf. Par contre on va éviter de faire ça. Pardon, là j'ai plus de ring, du coup je fais attention. Yes, putain j'avais plus de ring, je suis désolé, du coup j'ai fait bien attention, ça fait 7 minutes que je suis sur ce niveau. Excusez-moi, on est à... 33 minutes de rec seulement. Putain, mais j'ai vraiment l'impression de rec depuis une éternité maintenant, mais apparemment non. Et du coup, il y a, waouh, il y a aucun des, comment il s'appelait déjà, aucun de la bande à fin qui est venu nous agresser, comme dans le Mania Mode. Comment il s'appelle déjà leur bande de. Bah leur bande tout simplement. J'allais dire leur bande de voleurs. Enfin, voleurs. Oh j'ai Ray. Yes. Putain yes. J'ai oublié parce que j'allais dire les Babylones, mais les Babylones c'est pas du tout eux je crois. Babylone c'est Jet et Wave et Storm. C'est qui déjà? Putain je sais plus. Ça m'échappe. Ah les hooligans je crois. Ouais les hooligans, je crois que c'est ça. Si je dis pas de conneries c'est ça. Les hooligans, voilà. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. On va jouer au flipper un petit peu. En fait, ok, du coup en fait il faut pas 60 rings, il en faut 50. Ah yes, je vais pouvoir choper un perso. Du coup j'ai Knuckles, maintenant j'essaie de me choper Mighty histoire de tous les réavoir. Ce serait cool, je pense. Ok, maintenant j'essaie de me choper Mighty. Parfait, putain, yes. Moi qui les avais perdu très bêtement en mourant contre Ninja, une nouvelle fois bêtement quand j'ai voulu éteindre mon vidéo prol qui chauffait beaucoup.
Alors qu'en fait, au moment ça passe, du coup, faut que j'arrête de faire des conneries à l'éteindre, parce qu'après, du coup, je perds du temps. Je récupère quoi, mais... le bouquet de flammes. Oh, rien du tout. Oh, n'importe quoi. Allez. Allez, arrête de faire des conneries. Putain, je suis en train de parler de moi à la troisième personne, c'est trop bizarre. Oh là là, n'importe quoi, quoi. Bon, au moins, j'ai réussi à récupérer Nocti et... Nocti. Qu'est-ce que je dis? Knuckles et Mighty. Putain, je fais un mix des deux. C'est aussi fait un petit de... Putain, mais j'ai arrêté de faire le flipper, vous avez vu que je l'avais de nouveau débloqué, mais bon, je vais quand même tout le temps le faire. Putain, mais... Ce monde, déjà, il était cool, il était beau, mais alors, dans ce mode-là, avec ces couleurs-là, je le trouve vraiment beau, quoi. Vraiment, sans déconner. Ah, j'aurais pu changer, dommage. Ah, le boss. On est parti. Bon, Sonic, cette fois, tu restes pas bouche bée devant un truc en l'air, s'il te plaît. Oh, la texture a disparu, dommage. On va revenir Sonic. Bien joué, Ray. Ah. Ouf. Oh mince. Oui, oui, oui. Putain, Bark c'est le pire, je trouve. Avec le Fang. Bin encore ça passe. Mais Bark c'est le pire. Ouf. Le Fang est pas mal aussi, le rabat. Normalement là le boss est terminé. Ouais. Ou quoi? Ça va lag là? Ça lag ou quoi? Mince, désolé. Je suis sur OBS vite fait, du coup j'ai quitté la manette. Parce que sur le live ça avait l'air de laguer, mais sur OBS apparemment non. Enfin, on me dit que j'ai pas beaucoup d'images perdues. Du coup, bah désolé. Sur le live ça a lagué. 5 personnes! Putain, j'avais pas vu. Bah merci d'être là. Je sais que c'est pas beaucoup, mais quand même c'est cool. Venez regarder un live d'un mec que vous connaissez pas, c'est sympa. Pou, voilà. Oh l'océan. Attends, par contre, on a combien de minutes? Je suis désolé de re-regarder. On est à 38 minutes, ok. Ce sera peut-être la dernière zone, il y a moyen. Oh, l'océan aussi, c'est joli, avec le ciel bleu en arrière-plan. C'est limite un peu plus joli que d'habitude. Ah, il y a ce pouvoir dash. Ah, ici, il y a... Non, je suis con, du coup, j'y sens pas. Je suis vraiment bête. J'allais dire il y a un ring pour aller chercher une Colossal One, mais c'est qu'elle se trouve pas au même endroit du coup. Ça, je tendance à l'oublier. Mais... Ah, ça me fout les boules parce que. Putain, j'en connaissais pas mal en fait à partir de là. À partir de. À partir de Mirage Saloon. Même si Mirage Saloon, en fait, il y en a un que je connaissais bien, j'y suis. What the... Ah désolé, merde j'ai pas vu, parce que du coup j'étais sur Twitch, j'ai vu qu'il y a un décalage, du coup je vais voir après, désolé, je sais pas encore qui s'est abonné. Merci, c'est sympa. Donc, je regarde, c'est... Nak. Putain, désolé, la qualité elle est dégueulasse, mais merci Nak. Nak, je sais pas comment faut dire. Mais c'est cool. Vraiment beaucoup. Ouf. Ok. Bon, rip, à coup, il est parti. Oh, il est génial, ça recommence à rechauffer, mon vidéo. Bon, si vous l'entendez pas, c'est cool, hein. Des fois, en vidéo, on l'entend, et c'est casse-couille, un peu.
pas très agréable pour les oreilles. Si jamais vous l'entendez, vous me le dites, je l'éteins. Je perds juste un petit peu de temps, mais bon, c'est pas grave. Ok. Hop. Hop, hop. Bon, de toute façon, non, j'avais compris qu'il se calme un peu après le vidéo crawl. Il chauffe pendant genre 2-3 minutes, après il s'arrête. Enfin, 2-3 minutes, plutôt 5, je pense. On verra bien. Si jamais ça vous gêne, n'hésitez pas à le dire. Franchement. Ah, il y a une personne qui est partie, dommage. Hop. Hop. Attends, je vais regarder maintenant dans follower. Oh merde, ça a quitté carrément Twitch. Je vais regarder. Ah, Knack Them Weasels. Merci. Voilà, moi je reviens. J'ai pu lire ton pseudo en entier. Ouais, du coup, ça me balance une pub d'Amazon, génial. Pour mon propre live. Ok, alors. Hop, 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 hop. Putain, en plus maintenant la fumée bleue elle est beaucoup plus enfin je sais pas, je préfère ça à la fumée rouge, parce que la fumée rouge elle était un peu, je sais pas s'il faut dire agressive, peut-être pas, je la trouve, enfin en tout cas je trouve cette fumée bleue bien plus agréable. Oh, rip Knuckles, il est même pas rentré le pauvre. Apo est en live, sérieux. Apo il va me faire de la concurrence. Alors. Tac. Alors. Bon, de toute façon je pense qu'après cette zone je m'arrêterai parce que pas que la partie soit trop longue, et puis de toute façon après il va rester quelques zones et j'ai pas envie de faire deux lives d'une heure et un live de 20 minutes. Enfin, faut que je me rappelle de combien. Je peux me passer à côté, bon, en plus je vais être là. Faut que je regarde combien de zones après il me reste. Attends. Putain mais je fais quoi de mal là? Ok. Je suis en pépère. Et là je vais commencer à perdre des rings. Génial. Alors, du coup. Attends, mais. J'oublie tout le temps le fonctionnement de ce machin. Bon, heureusement que j'ai le bubble shield. Hein, parce que ça aide au taquet, vu que ça. Je me prends pas les projectiles. Si je me trompe pas, je me les prends pas. Du coup, bah c'est. Alors que avec les gros poulpes là que je comparais à Qbert quand j'avais joué à Sonic 2, les poulpes roses, eux, ils t'en balancent des trucs. C'est un peu chiant. J'ai de la chance. Hop. Hop. Et c'est parfait. What? Ouf. Mince, j'ai pas vu. Et ça n'était pas avant le truc de pic là. Dans Mania Mode. Ou alors peut-être en fait ils ont rajouté des trucs aussi dans le mode Mania. Oh, du DLC, ça c'est possible aussi. Donc ils ont rajouté des trucs dans le même manière, je sais. Oh putain. Enfin, quoi que. Non, je l'ai refait déjà deux fois le jeu, je m'en rappelle pas. Je sais pas. Ok, hop. C'est quand même putain de puissant, les chiens, dans le jeu. Non ! Il m'a attiré. Du coup, j'ai plus de taille, il est mort. Rip. Hop, go. Je vais pas rentrer dedans mec, j'ai plus de Narcès. Alors. Ah voilà, c'est moi, c'est calme. Parfait. Bon, non, va
pourrais changer un peu. J'aime bien Mighty aussi, c'est cool. Attends, c'est bientôt fini là, non? Si je ne m'abuse. Yes, c'est le boss. Non? Si. Ah non, mais je sais par rapport au fait qu'il y avait un sous-marin et que. Bon, le boss est un sous-marin, mais bon, vu qu'il y a des sous-marins partout, bien sûr. Dans cet acte là. Ah voilà, maintenant c'est le boss. Voilà. What? Il a pas ces espèces de tentacules? Voilà, et grâce au pic, enfin grâce à Mighty, les pics, je les brain. Ah, maintenant ils sont là. Voilà, Mighty pour ce boss, comme vous avez vu, quand je saute, je renvoie aussi les projectiles comme un bubble shield. Du coup, est-ce que c'est... Non, non, pardon, mais c'est bien. Le but, c'est bien aussi le bubble shield, parce que je contrôlais pas Mighty au moment. À ce moment-là. Mighty, il renvoie tout... Du coup, pour ce boss, Mighty, il est trop... Il est OP. En vrai, chaque boss a un personnage qui est OP avec lui, on va dire. Du coup, je suis à 46 minutes de rec. Parce qu'après, la varif, ça, tac, tac. Du coup, là, il va rester 3 zones. Ouais, je pense m'arrêter là. Parce que là, ça fait 46 minutes, et comme ça, après, j'aurai le temps pour faire un dernier stream sur le reste. Du coup, ça va. Du coup, je pense que ouais, je m'arrête là. Du coup, j'ai qu'une seule émeraude du chaos, désolé, hein, je suis trop mauvais. Du coup, bah, merci à ceux qui m'ont peut-être suivi, à ceux qui m'ont suivi au bout de ces 1h46 minutes de live. Merci à tous, et du coup, ça va être la fin.